Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à copier-coller en C. Alors, vous allez pouvoir copier-coller plusieurs types de données dans le presse-papier. Alors, le presse-papier, c'est un endroit dans votre mémoire, dans votre ordinateur, qui va vous permettre de stocker des données que vous allez copier. Vous allez pouvoir copier-coller plusieurs types de données, que ce soit du texte, des images, de l'audio et tout autre type de données. Pour cela, on va utiliser la classe Clipboard qui fournit des méthodes qui facilitent le transfert de données vers ou depuis le presse-papier du système Windows. Alors, je dirais que cette classe est divisée en trois catégories de fonctions méthodes. La première catégorie rassemble les méthodes qui vont vous permettre de stocker des données dans le presse-papier, donc de copier. Ces méthodes commencent généralement par le mot-clé SET. Donc, on verra qu'il y a plusieurs méthodes. Qui vont vous permettre de stocker des données selon le type de données. Donc, vous avez 7 textes, 7 images, 7 data, etc. etc. La deuxième catégorie de fonctions va vous permettre de récupérer des données depuis le presse-papier. Donc, là, c'est pour coller. Généralement, ces fonctions commencent par get. Get image, get text, get audio, etc., etc. La troisième catégorie de fonctions va bah, vous permettre de savoir si un type de données est présent dans le presse-papier. Donc ces fonctions-là commencent par le mot contains. Donc par exemple, contains text, contains audio. Contains data, etc. etc. Donc dans cette vidéo, je vais seulement vous montrer comment copier-coller du texte, mais le principe est relativement le même pour les autres types de données. Pour cela, j'ai préparé une Windows form avec deux text Donc la première textbox va me permettre d'écrire du texte. On va pouvoir copier ce texte là et le coller dans l'autre text box. Et on a un bouton euh, effacer pour effacer les données du presse-papier. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose. Si vous n'êtes pas sur un projet Windows Form, vous allez devoir faire une étape en plus. Vous allez devoir ajouter le namespace système.windows.form, justement. Donc, pour cela, vous allez faire un clic droit sur référence, puis ajouter une référence. Vous allez cliquer sur assembly et vous allez chercher système.windows.form et vous allez cocher système.windows.form vous allez appuyer sur ok dans votre classe vous allez ajouter using.system.windows.form voilà alors on va commencer euh, par la fonction qui permet de copier donc on va créer un événement clic lié au bouton copier et dans cette méthode on va tout simplement copier le texte de la textbox de gauche qui s'appelle tbcopy. Donc on va utiliser la classe clipboard, comme je l'ai dit, point et on va utiliser la méthode setText pour mettre du texte dans le presse-papier. Et là, entre parenthèses, on va mettre le texte à copier. Donc mon texte, il se trouve dans ma textbox, donc this .text. Voilà. Alors on va pouvoir déjà tester notre programme. Donc là, je vais mettre par exemple euh, « Abonnez-vous ». On va copier. Alors, comme je n'ai pas encore euh, codé la fonction pour coller, on va coller dans le bloc « Note ». Donc, on va faire « Ctrl V ». Et vous voyez que j'ai bien copié mon texte. Maintenant, on va programmer la fonction pour coller du texte. Donc, on va créer un événement « clic » lié au bouton « Coller ». On va récupérer le texte à coller dans une variable que je vais appeler euh, « txt ». Et on va dire qu'elle est égale à « clipboard ». .getText. Ensuite, on va modifier la propriété texte du textbox de droite qui s'appelle tbpast. Voilà, on va tester. Donc voilà, je vais écrire quelque chose. On va copier et on va coller. Et voilà, ça marche. On a bien collé le texte dans le deuxième textbox. Alors, pareil, hein. si par exemple, je vais dans le bloc notes et que j'écris un texte, voilà, je vais copier, coller un texte depuis le bloc Note. Donc euh, CTRL-C, et là on va coller dans le textbox, donc voilà. Donc c'est pas obligé que ce soit des données copiées-collées depuis euh, l'application, ça peut être depuis une autre application. Donc maintenant, on va se charger de programmer la fonction effacer. Alors ce bouton va vous permettre d'effacer les données qui sont stockées dans le presse-papier. Voilà, pour une raison X, vous n'avez plus envie de stocker euh, quoi que ce soit dans le presse-papier vous pouvez supprimer des données depuis le presse-papier. Donc on va créer l'événement clic lié au bouton effacer, et on va tout simplement faire un clipboard.clear, ce qui va supprimer toutes les données du presse-papier. Alors la preuve, ici je vais taper du texte, je vais copier. Si je colle dans le bloc-notes, ça marche, mais par contre, si j'efface et que là je fais coller, et eh ben il n'y a plus rien. Et pareil, hein, dans le bloc note, si, si j'essaye de coller un deuxième salut, et eh ben il n'y a rien. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, on va un peu modifier notre fonction pour coller. Si on a euh, quelque chose dans le presse-papier, on va coller ce quelque chose dans la textbox. Mais par contre, s'il n'y a rien, on va écrire le presse-papier est vide. Alors pour cela, on va aller ici, on va mettre une condition, on va dire que si clipboard... Point contain texte donc si le presse papier contient du texte, alors on va faire ces deux lignes là. Sinon, on va afficher le presse papier est vide. Alors, non, on va pas marquer est vide, on va plutôt écrire ne contient pas de texte. On va tester. Voilà, je vais copier. Merci à tous. On va coller. Donc là, il me colle le texte sans problème, mais par contre, si j'efface le presse papier et que je fais coller. Et bien là on me dit le presse papier ne contient pas de texte. Donc voilà, j'ai fait ça pour vous montrer qu'il est possible de vérifier si un type de données est disponible ou pas dans le presse papier. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré comment copier-coller des données. Donc là je vous ai montré uniquement les données de type texte, mais vous pouvez copier des images, de l'audio ou tout autre type de données. Donc il existe une méthode qui s'appelle SetDataObject qui vous permet de copier n'importe quel type de données mais attention hein, c'est à utiliser s'il n'y a pas d'autres méthodes plus adaptées n'allez pas copier du texte avec cette méthode puisqu'il existe la méthode setData donc merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime des commentaires à partager la vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine à la